Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Fallout 4, pardon, j'allais dire Far Cry Primal, Fallout 4, donc Far Harbor, hein, l'extension. J'avais pas remarqué qu'il y avait ces chats tout à l'heure, hein, c'est bizarre. Parce que j'ai vraiment chargé la partie parce que je suis allé monter l'épisode en question, enfin, lancer le montage de l'épisode en question. Bref, nous allons appuyer sur les commandes du bateau, quitter le Commonwealth, aller à Far Harbor, c'est parti. Bon. On se déplace apparemment. Je veux aller dans l'autre direction, ma madame. D'accord. Ah, j'aurais voulu vérifier si ça changeait de sens. D'accord. Apparemment, on est censé tourner vers la gauche. Légèrement vers la droite, là, effectivement. Ah non, c'est... C'est réaliste. Oh, il fait nuit d'un coup. La ville de Far Harbor est entièrement bâtie sur une jetée au bord du Nil. D'accord, bon. En voilà une bonne nouvelle. En voilà une bonne nouvelle. Ce chargement est un petit peu long. Ah! Welcome to Far Harbor! D'accord. Connu à l'origine sous le Commonwealth, sous le nom du Commonwealth du Massachusetts. Bref. On va arrêter de le dire. Ah, je ne peux pas sauter comme dans la plupart des véhicules de transition. Et nous avons perdu Canigou. Canigou est allé nager dans les eaux terribles et irradiées de ce jeu. Oh, oh, l'ambiance va être épique. L'ambiance va être complètement épique. Ah, s'il y a des loups en plus, moi je kiffe, hein. Quelqu'un a parlé. Comment ça, baisse ton arme? Dois-je vous pacifier? Juste pour le plaisir. Du calme. Non, ça marche pas. On va réessayer. Tu vas te calmer. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ou alors je sors le truc qui fait plein de dégâts. On va voir si c'est un peu plus offensif. Mais bon. Ok, bonjour. Vous avez perdu votre chemin? Vous êtes à Far Harbor. On n'a pas beaucoup de visiteurs par ici. Les continentaux croient toujours tout savoir. On a déjà assez de bouches à nourrir ici. Et on n'a pas besoin de l'aide du continent. Alors vous pouvez monter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Allen, ce quai appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je suis désolée. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Alan n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Ça ne vous regarde pas. Far Harbor? Où est-ce qu'on est exactement? Eh bien, dans le temps, c'était une ville touristique. On vit sur cette île depuis des générations. D'accord. Mais aujourd'hui, on s'entasse dans le port et essaie de survivre au jour le jour. Disons qu'on n'a pas été épargné par les problèmes. Vous n'êtes pas là pour en rajouter d'autres, j'espère. Il paraît que c'est un refuge synthétique. Je cherche des informations sur un refuge de synthétique qui se trouverait sur cette île. Ah, un autre voyageur du Commonwealth à la recherche d'Acadia. Acadia. Chiotte, la marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Maintenant, suivez-moi. Oui, madame. Attendez un instant, je remets mon casque. Hop, soyons RP. Soyons RP. Je peux le mettre en favori. Je vais le mettre ici. Attention sur la coque. Ne tombez pas. On ne pourra peut-être pas vous sauver. Où est-ce que je l'ai mis? Pas le bon truc. Où est-ce que je l'ai mis? Merde. C'est quelle touche, ça? 0... Égal. Nye nye nye. Normalement, il est sur le bon truc là. Mais non. Il s'est mis un steampack, ce con. Marche pas. Bon. On l'équipe. Attendez, peut-être que si je le fais comme ça. Apparemment, la touche passe pas.
La touche passe pas, on va le mettre en 6. Est-ce que là ça passe ou pas quand je l'équipe et que je le déséquipe? Non, ça passe pas. Bon bah c'est pas grave. On va le faire comme ça. Je vous suis ma petite dame. C'est pas comme si j'avais très très peu de... Tous à la coque. On va avoir de la visite. De la visite de quoi et par où? Vraiment vu quelque chose? C'est pas un exercice. Attendez. On a une arme, chers amis, pour ça. On va la mettre justement en 6 ou en 5. En 5, ce sera mieux. C'est quoi ça? Tout le monde ouvre l'œil. Qu'est-ce qu'il est censé avoir? Et la porte! J'ai besoin d'aide! Marinière? On n'a pas le temps. Regarde le brouillard. Ils arrivent! Ils arrivent! Bordel! Survivant. Prêt? Peu à volonté! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Qu'est-ce que... Faites tous attention! Kenigou, vas-y! On n'a pas la bonne arme. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Tiens, meurs! Hop! Mais il tire des... J'avais pas le choix, non. Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Gobeur légendaire. Visez la tête. Ok. Ok. Cette fois, c'est fini. Très bien. J'arrête, je suis désolé. Quadruple lance-missile. D'accord. Lophius. Une viande de Lophius. Merci de votre aide. Jeune gobeur, hey. Fonso. Oui. Excusez-moi. Que le ciel me tombe sur la tête si j'abandonne l'idée de récupérer mes terres. D'accord. Il y a eu des morts un peu partout. Il a bouffé un verre à liqueur. Pourquoi pas. Si tu veux. Hop. Oula, on se bouffe des rats dès qu'on part. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, je suis sûr que si on s'écarte de ces trucs-là, on finit par se bouffer des rades. Regardez. Non? Même pas. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Peau d'écorcheur, d'accord. Un drapeau américain, il a bouffé un drapeau américain, le sac. Brouillard condensé. D'accord. Ça aspire du brouillard. Pourquoi pas? Sur le principe, ça ne me dérange pas. Reste à savoir ce que j'en fais. Alors, putain, on n'y voit rien. Hop, hop. Donc, c'est pas dans les soins. Dans les divers, peut-être? Non plus, dans le bric-à-brac? D'accord. Ok, pourquoi pas. Yo! Avri. Maintenant vous voyez ce qu'on doit endurer. Effectivement. Le brouillard et les créatures qui se cachent dedans nous ont chassés de notre île. Mais vous nous avez donné un sacré coup de main. Alors prenez ça. Merci. Et donc le brouillard c'est est une... Ce brouillard? Pas où commencer. Le brouillard est radioactif, vous voyez? Au cœur du brouillard, ce sont des retombées pures. Et aussi mortelles que ce soit, ce n'est qu'une partie du problème. D'accord. Il y a des choses qui vivent dans le brouillard, qui grandissent. Et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqué? Il y a des choses largement pires dans les terres. D'accord, c'est pas bon signe. Donc techniquement, vous avez perdu vous votre avez île. Perdu toute l'île. Le brouillard a toujours été là. Quand on a de la chance, le brouillard recule et l'île est presque normale. Et quand d'accord. On n'a pas de chance, le brouillard s'étend partout. Les habitants doivent alors se rabattre sur les parcelles libres. Intéressant. Ça va faire presque 8 ans qu'il se propage.
La situation ne fait qu'empirer. Désormais, le seul endroit sûr, c'est Far Harbor. Incroyable que vous ayez survécu. Vous arrivez à survivre malgré tout ça? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue. En effet. J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coque, Avery. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'Atome une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrivait encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Mm-hmm. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. Donc les enfants d'Atome. Les enfants d'Atome. On les connaît. C'est quoi ça ? C'est une religion. Des gens qui vénèrent la puissance d'Atome. Ils parlent des radiations, j'imagine. Si vous voulez en savoir plus, il faudra aller leur demander directement. On s'entendait bien avec eux. Jusqu'à ce qu'un crétin à la gâchette facile appelé Allen Lee... Ça suffit maintenant. Il y a un prêtre qui est venu au port en disant que si on avait perdu nos terres, c'était la volonté d'Atome. Que si on avait perdu nos proches et nos amis, c'était la putain de volonté d'Atome. Ça, j'avoue, c'est débile. Qu'Atome nous réduirait tous en poussière jusqu'au dernier. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais pendu haut et court pour ce que tu as fait à ce prêtre, Allen. Popopo. Donc un prêtre. Qu'est-ce qu'il a fait au prêtre ? Allen a sorti un flingue. Apparemment, le prêtre voulait prendre le sien. On n'a pas de police, ni même de loi à proprement parler. On suit simplement nos traditions et l'opinion populaire. D'accord. Après tout ce que le prêtre a dit, il était évident qu'il ne fallait rien faire à Allen. Ça n'aurait fait qu'empirer les choses. Et donc le brouillard a empiré depuis le meurtre. Le brouillard a vraiment empiré à cause des enfants d'Atome ? Pas du tout. Il n'y a pas la moindre preuve. Les compteurs GG remontent pas, Avery. Le brouillard est de plus en plus mortel chaque année. Et maintenant, il recouvre toute l'île. C'était pas comme ça avant que les enfants débarquent. C'était déjà arrivé avant, tu le sais très bien. Les gens racontent que les enfants y sont pour quelque chose, mais personne, et je dis bien personne, n'a de preuves. Revenons à nos affaires. Et revenir à nos affaires ? Excusez-nous pour toutes ces histoires. Vous allez à Acadia, c'est ça ? Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur. D'accord, j'aime bien ça. Qui est Longfellow ? Un peu du vieux Longfellow. C'est le meilleur chasseur de l'île. D'accord. Il a peur de rien. Heureusement que je suis arrivé. Ils disent qu'il est fou. Si vous voulez aller à Acadia, ça me plaît pour l'instant. C'est le seul qui peut vous aider. Mais... Mais quoi ? Les gens d'ici sont plutôt du genre têtu, obstiné. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. D'accord. Mais dans le genre, Longfellow a une sacrée réputation. Même ok, par bon. Et donc Acadia, vous c'est pouvez où me dire au sujet d'Acadia. C'est quoi ? Demandez à Longfellow. C'est le seul à y être déjà allé. Longfellow est un synthétique. Merci, merci du conseil. Oh, vous le trouverez sûrement au bar, le grand mât. Et je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassie et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de si tôt ici. Merci. De rien. Oula, comment qu'elle se bat en courant ? Ok, bon. Tous ces endroits sont plutôt sympas. Donc tu vends des Allez. Choses. L'ange du continent. Super. Vous tirez quelques coups de feu et vous vous prenez pour notre sauveur. Vous pensez nous aider ? C'est notre combat. Notre île, pas la vôtre. Fais pas chier. Je vous ai sauvé la et peau. Vous avez quand même sauvé la peau, hein ? On a défendu ce satané quai contre un paquet d'horreurs pendant des mois, et sans votre aide. Ouais, vous nous avez aidés. Mais on a payé la facture avec du sang et des balles. Le jour où on comptera sur des étrangers pour assurer notre sécurité, ce sera notre arrêt de mort. C'est pas complètement faux. Vous allez quand même me montrer un petit peu de gratitude. J'ai dû me battre bec et ongles pour vous. Un peu de gratitude ne ferait quand même pas de mal. On a dû affronter des sales moments, c'est vrai. Mais vous vous en êtes bien tirés, jusqu'à présent. Voilà, pour votre aide. Donc, merci. Si vous comptiez acheter du matériel, faites vos emplettes. Sinon, prenez le premier bateau pour le continent. Les enfants d'Atome, ou pire, s'en prennent à vous. Allons-y. Montrez-moi ce que vous avez. Pas de coup fourré. L'ami de l'amiral. Oh là là. Oh. Oh 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 oh. Oh, mais toi, mon ami. Toi, mon ami. Elle coûte combien, cette arme ? Hop, tiens, vas-y, on fait péter. Bolt. Ah oui, ça. Ah, je les ai pas faites. Dommage, j'ai oublié. Boulet de canon, je peux les prendre. Alors, on va quand même aller voir dans les armes ce qu'il a. Crochet de bâton. Ça peut être intéressant. Crochet à viande. J'en prendrai aussi.
Flamer, c'est un lance-flamme classique. Fusil au radium. What the fuck is that? Eh ben écoute, je vais te le prendre aussi. Fusil harpon, j'en ai déjà un du coup maintenant. Fusil à levier, oui c'est l'arme, la fameuse arme classique du jeu. La machette, j'en ai déjà une. Un piège à ours, ça, on reverra ça une autre fois. Qu'est-ce que t'as d'autre? Joli. Ok. Très joli. Donc il y a potentiellement des mods qui sont rajoutés sur les armes en question que vous pouvez voir actuellement, chers amis. Hein. Ok. Faisons le tour. Hein. Après tout, on est là pour voir l'armement. Ah, il m'en fallait une. Hop, je vais les prendre. Voilà, merci l'ami. Hop, donc, qu'est-ce qu'on a comme arme à tester rapidement. L'ami de l'amiral, mais je n'ai pas de harpon. Apparemment, il faut des harpons. Crochet de bâton. Non, je vais juste... C'est moi où l'interface est extrêmement sombre. Je vais essayer d'arranger ça, chers amis. Attendez, on va aller voir ça quand même un petit peu. Affichage. C'est plutôt la luminosité qui m'intéresserait, moi. Bon, apparemment, je peux me la caler dans le cul. Ok. Ok, j'aime la carrer dans le fion. Profond. Donc, le crochet de bâton. D'accord, ça peut être intéressant à se battre. Hein. Je suis curieux de voir en fait tout ce que ça va donner une fois qu'on les aura améliorés. Et on a le fameux fusil à levier, le fameux fusil au radium. Je sais pas ce que ça va donner. Fusil au radium, j'imagine que c'est une arme de commande... des enfants de l'atome. Par contre, je cherche un établi. Ah, peut-être qu'il y en a un là. Non, non. Là, c'est un truc d'armure assistée. À l'intérieur, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? L'ami, enfin, on peut mettre des fléchettes dedans. Des harpons barbelés. Oh putain. De fléchettes harpons. Plus petite portée. Qui entraîne des saignements, d'accord. Sans vouloir vous manquer de respect, docteur. Je sais pas si je mettrais des fameuses fléchettes. Il a promis de me donner son flingue. Il a écrit un mot et tout. C'est sympa la lunette courte. C'est vraiment sympa, regardez. Il n'est pas encore mort. Ok. Sympa. Crochet de bâton. Perforation, d'accord. À un moment perforant, dégâts excellents. Effectivement, c'est vrai que les dégâts ont l'air sympas. Crochet à viande. Crochet supplémentaire. Ouh, chance de désarmer. Oh, sympa. Sympa l'effet. Sympa, sympa, sympa. Fusil radium. Puis la standard, d'accord. Puis l'automatique puissante, d'accord. Canon long. Canon long à ouverture. D'accord, ça change aussi encore une fois le truc. Cross complète. Cross, d'accord. Tireur d'élite. Compensation de recul, d'accord. Ok, jusque-là, que des choses très classiques, hein. Sans bouche, pourtant on a l'impression qu'il en a déjà une. D'accord. C'est donc le fusil radium. Le fusil à levier. Culasse standard. Culasse légère. Culasse avancée, il fera des dégâts énormes. Canon long. Canon court. Oh, le canon court a l'air complètement épique. Canon court à ouverture. Oh, le canon court, elle me plaît. Viseur standard. Donc c'est un viseur à des viseurs classiques, j'imagine. Que des viseurs classiques, effectivement. Sans bouche. Compensateur est silencieux. Le silencieux a l'air sympa. D'accord. Et ici, donc. Ah, on est plus facilement détectable par les ennemis, d'accord. Oui, parce que j'imagine que ça enflamme le bout. Ok, d'accord, c'est sympa. Donc ça, c'est un mode, hein, chers amis, hein, je précise. C'est un mode. On passe sur des trucs normaux. Ça c'est le viseur bashing sans hop, d'accord. Supérieur bashing damage, d'accord. Ok,
Nos légendaires. D'accord, ok, bon bah d'accord, il y a plein de petits objets sympathiques qu'on a déjà là récupérés. Bon, bon, bon. Il fallait aider des gens, d'après ce que je peux comprendre. Allons voir ça, il y a quelqu'un à l'extérieur là, apparemment. Qui es-tu? Cassie Dalton. Pardon. Bonjour. C'est vous qui débarquez du continent, hein? En effet. Vous avez intérêt à faire attention. Cette île voit et entend tout ce que vous faites. J'en d'accord. sais quelque chose. J'ai vu l'île déchirer la plus grande famille que Far Harbor ait jamais connue. C'est une histoire d'avidité, de sang et de vengeance. Vous avez un grain. Quelle famille? Quelle famille est-ce que vous parlez? J'allais justement y venir. D'accord. Ma famille, les Dalton, était la fierté de Far Harbor depuis des générations, même avant la guerre. Ils avaient fait fortune dans le bois et la pêche. Mais ils sont devenus de plus en plus avides. Classique jusque-là? Ils n'ont pas respecté l'île. De plus en plus classique, hein, je vous rappelle que c'est le plot de Final Fantasy VII. Hein. En nous tuant les uns après les autres, je suis la dernière Dalton encore vivante. D'accord. Ah, mais notre histoire prend maintenant un tournant inattendu. Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor. Quelqu'un de fort et plein de ressources. J'imagine qu'on parle de moi. Grâce à son aide, la dernière des Dalton a enfin une chance de venger sa famille, une bonne fois pour toutes. Je t'écoute. Venez-en au fait. Arrêtez votre blabla et dites-moi ce que vous voulez. On dirait que quelqu'un a laissé son sens de l'aventure sur le continent. Si tout est clair. Si tu le disais plus vite, ton blabla. Le premier chapitre de notre histoire de vengeance. C'est la triste histoire de Petit le Rouquin. Ah, je disais Petit le Rouquin, moi. Cousin. C'était un bon gars, du genre à ne pas faire de vagues. Il pensait que c'était sur une île, pas faire de vagues. Mais en fait, pas tant que ça. Il c'est cueillait con. Des baies au camping du parc national quand l'île lui a envoyé des goules sauvages. Cette île peut être sacrément sournoise quand elle s'y met. Si enfin tu le dis. Bref, il a réussi à retourner en ville, mais il est mort de ses blessures dans la nuit. Bien sûr, ces goules sont toujours dans les parages. Elles attendent qu'un autre malheureux passe par là. Ces saloperies. Où sont les goules? Vous pouvez me rappeler où sont ces goules? Au camping du parc national. C'est directement à l'ouest d'ici. D'accord. Je vais leur régler leur compte tout de suite. Parfait! Il était grand temps que quelqu'un fasse payer ses horreurs pour ce qu'elles ont fait au pauvre Petit. Petit. C'est Petit le Rouquin. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Putain, les cuisses du crabe! Regardez, il est en train de rougir. Ils sont en train de cuire un crabe. Au nom de Dieu. Je veux goûter. T'es où? T'es là? Habitant. Merde. Cuistot. Je veux le cuistot. Je veux bouffer du crabe. Je veux bouffer du... Putain, mais... Ah, ça doit être dans la boîte. Le grand mât. The last plank. La dernière planche, hein, mais c'est pas ça. Enfin, ou plank, ça dépend. Je sais pas comment on traduirait plank. Non, j'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est la suite de la quête principale et je ne suis pas prêt à commencer tout de suite. J'ai envie de viser d'abord un petit peu les lieux. Je pense que c'est normal. Et je pense que vous aussi. Donnez. Aider la marinière. D'accord, ça va être par là apparemment. Les continentaux dans votre genre n'ont aucune chance contre les rôdeurs. Bonjour madame. La coque a passé un sale quart d'heure. Mais sans vous, elle serait même plus debout. On m'appelle la marinière. D'accord. Charpentière, bricoleuse et la seule personne à tenir Harbor à bout de bras. Enfin, après le capitaine Avery. C'est un plaisir. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Pareil. J'espère que l'île vous tuera pas trop vite. Ou trop lentement, en fait. D'accord. Vous n'avez pas envie de m'aider, par hasard? J'ai besoin d'outils pour faire les réparations nécessaires. Des outils assez spécifiques. Ça tombe bien, j'ai un outil qui grandit très rapidement. Mais il y a 450 capsules à la clé. Oh, 450 capsules? Je vais peut-être faire mieux que ça.
Je vais risquer ma vie pour 450 capsules? Je suis un peu à court de capsules. Mais je peux vous donner le fusil du vieux Jimmy. Il risque pas d'en avoir besoin là où il est maintenant. Comptez sur moi. Pas de problème. Comptez sur moi. Allez voir à la tannerie d'Eagle's Cove. Vous trouverez les outils là-bas. Allez, feu. Oh, elle parle bien. Bon, obtenez des outils électriques. Ok. Eh ben, allons-y. Directement à l'ouest, comme l'avait dit l'autre vieille Dalton. Et on se bouffe déjà des rades. Hop. Kenigo a trouvé un ennemi. Il n'y a pas besoin de se défendre contre des ennemis. Qu'est-ce que... Kenigo attaque. Hop les... Boum. Boum. Oh, je t'ai fait mal, toi, Kenigo. Viens, où ce qu'il est. Tu l'entends? Je te parle. Oh putain. J'aimerais. Tiens. Hop. Pour ta peine, vous avez tapé Kenigo. Voilà. Je suis prêt à gaspiller un petit peu de munitions. Ah ouais, ils ont des missiles à en chier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh! Pile ce que je recherche, des steampack. Génial. Capsule. Je prends. Il y avait un mec en haut. Oula, je pense que ça va être compliqué cette histoire encore. Oulala. Ok, je vais me faire entuber. Deux fois. Mieux vaut deux fois qu'une. Et je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Ok. Je suis mauvais, bah j'ai bien compris, chers amis. Hein. Pourtant, c'est clairement par là. Oh la gueule. Eh ben c'est pas grave. Ok, non c'est bon, on a réussi. Oh et non, on en a chié hein. Ah. Cocktail Molotov. Et lui il était là. Hop. Merci. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment non. On progresse. Ok, ok, ok. Le véritable problème, c'est véritablement ce brouillard. Hein. Cool des brumes. Venez. Venez voir papa. Bon, par contre, j'ai l'impression que la précision de ce flingue en a pris un coup dans le nez. Allez, venez. Venez. J'ai eu. Elle aussi. Des munitions. Des réacteurs à fusion. Pas de santé, cela dit. Dommage. Vous remarquerez qu'on n'a pas trouvé beaucoup de. Beaucoup de. Comment ça s'appelle? De.
de Radoué jusque là. Oh par contre ça c'est laid. Je suis désolé, ça c'est pas normal. Ce genre de choses ne devrait pas. Voilà, j'en doutais. Sinon pour une légendaire, la zone doit être assez bas level. Hein. Parce que mes armes sont pas si OP que ça, on l'a vu. Hein. Hop, on va aller voir ce que c'est. Une armure. Mais arrête de toucher à Kanigou. T'as rien fait. Hop les niveau 60, ah bah comme ça. Ça va avec. M82A2, je sais plus ce que c'est. C'est un sniper avec un bug de munitions. Je ne vais donc pas le prendre. Je prends les cartouches, je prends les grenades. Mais je ne prends pas le reste. Alors. Apparemment, là-dedans, il y a quelque chose qui doit s'appeler genre dompteur. Domptage, je sais pas. Quelque part. Sens affûté, chien d'attaque, ami des animaux. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Non. Dompteur. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, cela dit. J'ai bien envie de passer à force de frappe aussi pour frapper au corps à corps. Vu qu'on a trouvé des armes de corps à corps sympathiques jusque là. Ça, ça peut être intéressant. On aura besoin de beaucoup plus de steampack et on est un peu juste. On va partir là-dessus pour l'instant. Hop, et on continue. Ça, on l'a déjà fouillé. Ok, on reprend. Apparemment. J'ai cru entendre un gros truc marcher en fait. Apparemment, il est dans la zone. Hop. C'est joli en tout cas. Il y a un chemin pour monter ici. What the... Hop les décapitations. Des loups. Donc on les a bien entendus. Kanigou, t'es où? Kanigou? Tu sers à rien? Hunting rifle. D'accord, oui, je vois ce que c'est. Effectivement, tu sers à rien, Kanigou, là. On peut pas passer sous l'arbre, d'accord. Oh là là, elle est un peu creepy, cette zone, hein. Cette nouvelle zone. D'ailleurs, on n'est pas allé voir la map. Putain, c'est balèze. C'est balèze. Ok. Ok, ok. Bâtiment d'observation, je dirais. Je crois que j'en vois une. Ça, c'est le gros. Là, c'est le petit silencieux. Ok. Sans faire trop de bruit. Sans faire trop de bruit. Sans faire trop de bruit. Oh non! Pas un orage! Ah! Ça pue! L'orage radioactif, fait chier!
Il a l'air assez loin jusque là. Oh. Attendez. Hop. Apparemment on a été détecté. C'est bon. Problème résolu. On n'a pas mis... Tiens, je l'ai pas essayé après tout. On est en plein orage. Bouf. Du psycho, dommage, c'est pas ce que je voulais. Hop. Voilà. Éliminer les ghouls sauvages, retourner voir Cassie Dalton. Parfait. Casey, pardon. Ça va plus être Casey, normalement. Moi, je recherche un petit peu de... de Steampack et de Radaway, ce serait cool. Mais on n'avait pas déjà vu un truc qui changeait les radiations en île ou un truc comme ça? Je sais plus. Je sais plus du tout. Bon. On a une deuxième quête par là-bas. C'est sympa comme endroit, hein. Regardez ça, regardez l'endroit là. S'il est pas creepy à souhait. Quoi? Ok. Hop les... Tiens, bouffe. C'est bien comme arme. Ça, pour péter des ghouls, c'est la fête, hein. Et quand je parle de péter des ghouls, je parle pas du mot gentil pour dire gueule, hein. Là, vous avez pu voir l'efficacité de la chose, hein. Ok, j'apprécie cette arme. Cette arme est une arme anti-ghoul. Ça me plaît. Ça me plaît. Voilà, on est retourné dans la brume. Retourne dans la brume. Oula, on est bloqué par un pauvre petit truc. Il y a l'air d'avoir un petit village ici. Avec des super mutants dedans. Oula. Ouh là là. Apparemment le tir n'est pas passé à travers le carreau. Ce qui, je l'admets, me déçoit. Hop, et lui il est mort. Aussi. Apparemment il y a des gens pas loin vu que à chaque fois que je bouge je suis à deux doigts de me faire... Hop, ils m'ont vu. Hop, tiens. Dis au revoir à ton bras.
Où est-ce qu'il est? Ah merde! Top, toi t'es mort! Wow! Sale bête! C'est un légendaire ou c'est moi? Ah non, luminescent. D'accord. Hop, voilà, t'es mort. Apparemment, on est toujours en danger. Bon, on y va. On y va, chers amis. Ok. Allons-y. N'ayons pas peur. Hop, parfait. Regardons bien au niveau des murs si on trouve pas du steam pack. Ok. Maintenant, réveillons la casbah. Y'a des gens? Ah, y'a des gens. Il y a des gens, il y a des gens. Bonjour. Oh la vache, il m'a foutu les boules celui-là. Les humains, c'est fini. L'ère des super mutants est là. Hop les, voilà. Fallait réagir plus vite. Ok. Les cartouches. Ok, jusque là, pas trop de soucis. On continue. M'étonne qu'on voit pas plus de tics. Ça m'étonne qu'on ne voit pas plus de tics. Hop. Est-ce que je prends un? Hop, j'en prends un. Avant que ça fasse trop d'effet, on va prendre, pour histoire de maximiser la chose, on va prendre un rat de whey. Hop. Hop. T'es où? Dégage. Ok, lui il a envie de se barrer. Tout le chest, allons voir. C'est bon. Oula. Hop, il y a le SVAV qui s'est enclenché. On est dans la bonne direction pourtant, c'est vachement loin. Ah. Ça c'est creepy. Oula, du marais. C'est de l'eau. Oh putain. Y'a rien de pire que les marais. Je vis dans une région avec quelques marécages. Je peux vous dire que c'est pas génial. Là par contre ça me rend curieux. Yo les gens. Des trappeurs. Bonjour. Oula. Tiens, bouffe celle-là. J'avais oublié qu'il était légendaire, qu'il allait repop. Meurs. Tout ce qu'il avait sur lui. Et ton pote, il avait quoi? Ah, des cartouches. Regardons s'il n'y a pas quelques steam packs. Honnêtement, c'est ce qui me manque le plus, là, les steam packs. Hein. Donc, c'est véritablement ce que je vais chercher en premier. Peux-tu passer par le trou ou pas? Voilà. Zéro steam pack. Ok, bon, bah on va continuer. Dans le bus, il n'y avait rien, je crois. On va regarder vite fait, mais... Non.
Le banque bus magique était vide. Ok. Ici rien non plus. Ici des machines intéressantes, mais inutilisables. D'accord, ils avaient aussi un petit... D'accord. Une petite scène de ciné. Enfin, de bar. Alors. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On a surtout l'air viril, mais on fait peur à voir. Regardez ça. Le mec a pas peur d'un mec qui arrive comme ça en ville. Par contre, c'est un mec bizarre. Hein. Là, vaut mieux s'inquiéter. En vrai. Bon. Pour qui me prenez-vous? Pour qui me prenez-vous? Normalement, j'en ai. Où sont-ils? Ils sont là. Ça fait mal, hein? Non, mais oh. T'as cru? Un steampack. Génial. Cigarette. Tout ça pour un steampack. Seriously? Oh la gueule. Ok. Y'a un problème, hein. Bon. Alors comme ça, t'es... Bon, excuse-moi. Voilà, j'aimerais viser la tête, en fait. Voilà. Tiens, bouffe celle-là. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. T'avais juste quelques capsules sur toi. Rien de génial. Bon. Est-ce qu'on a de la bouffe sur nous? Est-ce qu'on a de la bouffe? Ça rapporte, ça. Je suis preneur. Ok, on y va. Je pense qu'on va faire ça, puis on va se laisser là pour cet épisode ensuite, parce que ça fait quand même un épisode qui dure presque une heure, voire plus d'une heure. J'ai bien compris que t'étais derrière la porte. Ils sont en train de taper sur la porte, chers amis, je crois. Si ça, c'est pas épique. Ça y est. On y va. Oh, quel con. Putain, j'ai pas imaginé que c'était... J'ai pas du tout imaginé que ça puisse être un... Bon bah là j'ai touché le bras droit, je vise le bras droit, là autre chose. Ah bah oui, bah si t'as plus le bras droit aussi, ou s'il est par terre le machin. Bien joué Canigou. Je te couvre. Vas-y, refais pareil. Bon. Enfin un truc qui va résoudre le problème rapidement. Ça avait un peu l'air con derrière la porte aussi, hein. Un coffre. Une arme, un coffre. Déjà le coffre. Ok. Ça rend bien en plus la petite pétoche comme ça. Oh merde. Oh bah merde. J'aurais dû m'en douter. Génial. Capsule, cartouche. Ça va déjà être bien. Hop, ça rend bien la petite pétoche, hein. La colle miracle. Hop. Parfait. Intéressant dans le coin ou pas? Apparemment non. Ah, la colle. Hop. Oh, je vais prendre le duct tape, on en a toujours besoin.
Bien joué, vas-y, vas-y, bouffe là. C'est bon. Je la fais. Oh putain. C'est quoi ça? Explose pas! Ah, chez moi, un bouffi, c'est fini par exploser. Il avait les clés de la tannerie. Outil électrique prendre. Bloc-notes. Crayon. Ok. Un paquet de peau. Deux paquets de peau. Le mec s'est enfermé là, puis il tirait à vue, quoi. C'est pas con. Et on peut ressortir par là. Cela dit, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait, chers amis? Allez, on le fait. Hop. On va bien voir où est-ce qu'on va pop, hein. Là, il y a trois goules devant. Boum. SVAV. Alors, alors. Verdict, il y a. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que ça vous étonne, vous, chers amis? Hop, les deux, une. Bonjour. Hé, hey, attendez. Ça fait des semaines que je surveille ces ghouls, que j'attends une ouverture. D'accord. Vous, vous débarquez, vous foncez dans le tas et vous les massacrez toutes. Est-ce que vous savez ce que vous avez récupéré? Un coffret d'outils Pelmen. Les outils électriques de Pelmen. Qu'est-ce qu'ils ont si génial, ces outils? Les pompes Pelmen ont plus de coupe qu'un écorcheur sous psycho. Avant de partir, ils appartenaient à Polly. Il en a toujours pris grand soin. C'est impossible de trouver de meilleurs outils sur cette île. Purement impossible. Les outils sont utiles, pardon. Et comme le monde est ravagé, ces outils pourraient s'avérer utiles. Exactement. Vous avez compris. Attendez. C'est la marinière qui vous envoie, n'est-ce pas? Maudit soit Mitch, lui et sa grande gueule. Je sais pas combien elle vous propose, mais c'est une broutille. N'importe quel bâtisseur compétent donnerait un bras pour ces outils. Je vous offre 2000 capsules là, maintenant, tout de suite. C'est conclu. Des outils comme ceux-là, en parfait état, ça ne court pas les rues. Peut-être qu'on me proposera mieux ailleurs. 2750. À prendre ou à laisser. Je refuse. Non, merci. Je ne vais pas rester là éternellement. Si vous refusez, vous allez le regretter. C'est quoi cette demi-menace? Putain, encore une légendaire. Vas-y, viens. Viens voir papa. Boum. Ok, une capsule. Un appareil photo. Qu'est-ce que ce bordel? Putain, mais. T'arrêtes d'esquiver mes balles? Merci. Alors, qu'est-ce que t'avais sur toi, d'accord? Un pauvre truc moisi. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Excusez-moi. Mon offre tient toujours, mais ça va pas durer éternellement. Il nous faut des outils, pourquoi donc? Vous voulez tellement ces outils? J'ai mes propres projets en tête. Et vu le prix que je paie, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Je refuse.
Non, merci. Je ne vais pas rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GameSpan.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Salut les gens, et yop.